Parce qu'il y a beaucoup de blancs. Bah, j'aurais dû faire un verre. Mais t'as pas sûr d'ailleurs. C'est pas trop aussi. Ou un papier pas. En fait, j'ai un cours à faire. C'est ce que j'ai aussi. Merde. Je disais, j'ai un cours de prévu lundi et mardi pour des L2 d'anthropo. Et je me suis dit que vous allez me servir de cobaye, que j'allais me chauffer avec vous. Donc je vais virer toute la première partie parce que la première partie c'est. Parce qu'en fait, je suis invité pour faire un cours sur l'anthropologie du proche. Parce que c'est un des derniers cours d'initiation à l'anthropologie. Et la personne qui anime ça, qui a fait ce cours-là, elle a déjà fait le tour de toutes les théories et tout. Juste avant moi, il y a quelqu'un qui va parler de l'anthropologie du lointain, donc une anthropologie très classique. Elle travaille sur les Quechua en Amérique latine. Et moi, elle m'a demandé de faire un cours sur l'anthropologie du proche, mais je ne suis pas anthropologue. Donc, c'était un petit peu bon, mais en tout cas, j'ai une démarche, mon travail de thèse m'amène à avoir une démarche qu'on appelle ethnographique, c'est-à-dire une démarche empirique où je vais sur le terrain, c'est pour ça que vous me voyez à l'école, j'enregistre des données et après je traite tout ça. Donc, on peut quand même parler d'une certaine forme d'anthropologie, quoi. Et je pensais dériver un peu le cours sur non pas l'anthropologie du proche comme certains peuvent faire l'anthropologie du fonctionnement du métro, des trucs comme ça, ce qui se fait depuis une trentaine d'années. Il n'y a pas les anthropologues ici dans la salle ? Dans la salle ? Non, dans la salle, il n'y en a pas. Enfin bref, non mais j'ai des livres, ils sont là les livres d'anthropologues derrière. Mais... Enfin, on pourra en parler plus tard d'anthropologie du proche, mais c'est une quelque chose qui a une trentaine d'années, je pense. Arsène, non ? Ouais. Un peu plus, je pense. Okay, ouais. La Tour, tout ça. Ah oui, c'est vrai, oui. Années 80, 79, ouais, la Tour. 60, 60. La Tour, elle est anthropologue ? Ouais, c'est vrai, au départ, des sciences. Bah, 70, on va dire. Ouais, lui, il a commencé sur un. C'était où, en Afrique ? Ouais, oui. Je suis pas sûr. Enfin, un vrai terrain classique d'anthropo. Après, il a fait son truc dans les labos. Donc moi, je vais faire au lieu d'étudier, enfin de partir sur une anthropologie où je pars étudier une culture, etc., ou une institution comme le métro ou n'importe quoi d'autre, ou un labo de sciences, je vais présenter la chose comme ça en disant que moi, ce que j'étudie comme institution, c'est le langage. Mais le langage, dans un contexte particulier, celui des écoles d'art, parce que ma problématique, c'est de savoir à quoi sert le langage, quelle est son implication dans la création artistique. Donc je vais vous passer tout ça, parce que vous connaissez par cœur le terrain, vous êtes, on peut dire, des membres experts. Compétents, des experts dans le domaine, donc j'ai rien à vous apprendre là-dessus. Ce serait un peu redondant. Mais il y a un truc qui sera peut-être un petit peu plus funky, intéressant, marrant. C'est que je fasse un point sur l'analyse de conversation. L'analyse de conversation, c'est une des disciplines que j'utilise pour mener à bien ma recherche. Donc je vais commencer par... Ça, on vire tout ça. Je vais commencer par un petit rappel historique sur d'où sort l'analyse de conversation. Il y a plusieurs héritages. Là, je vais parler que de deux champs disciplinaires, l'anthropologie linguistique et l'ethnométhodologie. On va faire les deux l'un après l'autre. L'anthropologie linguistique, c'est un courant de l'anthropologie qui s'est constitué dans les années 20 et dont le champ d'application était évidemment le langage. Mais il y avait déjà fort longtemps que le langage était étudié, ou du moins... Le langage était une problématique dans les champs de recherche anthropologique, parce que quand on se pointe dans une culture que l'on ne connaît pas, la première des choses à faire, c'est d'apprendre la langue. Cette question de la langue, je vais très vite pour arriver rapidement au cœur du sujet, cette question de la langue, elle n'a pas non plus attendu l'anthropologie pour être étudiée, non pas dans sa grammaire, etc., enfin... mais dans l'étude des langues qui ne sont pas notre langue à nous.
ceux qui faisaient ça, au courant du... peut-être vous dire des conneries, mais je crois que c'est 14 ou 15e siècle, les jésuites, c'est ça, hein, ouais, à peu près, quoi. Oui, les jésuites, oui. J'ai vu ça en espagnol, ça m'a dit. D'accord. Les jésuites qui partaient en mission pour prêcher la bonne parole et convertir les peuples, apprenaient la langue et établissaient les premières grammaires. Donc les premières grammaires des langues autres que les langues européennes datent de cette période-là, pour faire un rapide point sur les études du langage. Ça, c'est les trois noms, bon, si vous êtes intéressé par l'anthropologie linguistique. Boas, c'est le premier, c'est dans l'ordre chronologique. Boas, c'est le premier, année 20, donc. Sapir, c'est un élève de Boas, et Delheim, c'est année 50-60. Et lui, on le place plutôt dans un courant. Alors, quand on parle de lui de façon générique, on dit que c'est l'anthropologie linguistique, mais il est aussi à l'initiative d'un courant qu'on appelle l'ethnographie de la communication. Mais bon, ça, c'est, voilà, c'était plein de petites disciplines comme ça qui s'occupent du langage. Si je vous parle de l'anthropologie linguistique pour faire une filiation avec l'analyse de conversation, c'est que c'est la première fois qu'on va constituer un corpus écrit des langues. Donc on va recueillir les mythes, les récits, etc. Et on va commencer à en faire une analyse très fine et très détaillée. Et c'est là où il y a une relation directe avec l'analyse de conversation. C'est parce que l'analyse de conversation, une de ses premières opérations, si je puis dire, c'est de passer à l'écrit la langue pour pouvoir avoir un support d'étude. Parce que le langage, c'est comme de l'eau, ça coule, et si tu veux l'analyser en direct, il faut se lever de bonne heure. Voilà, et donc pour analyser les mythes et les récits, ils se sont dit, donc pour analyser le fond de ce qui se dit, ils se sont dit que peut-être qu'il fallait passer par la forme. C'est-à-dire, quand je parle de forme, c'est la forme de l'interaction, mais aussi la forme du langage. Comment c'est dit, qu'est-ce qui se dit, par qui, etc. Et cette analyse formelle du langage, donc encore une fois, on n'est pas sur de la sémantique, c'est-à-dire sur le sens de ce qui est dit, sur le fond des choses, sur le propos, on est sur le comment c'est dit. Ça, c'est la visée de l'analyse de conversation. L'ethnométhodologie, pour le deuxième point de filiation que je voulais faire, c'est l'héritage majeur auquel on pense en premier quand on pense à l'analyse de conversation. C'est un courant dissident de la sociologie, comme j'ai écrit. Si j'ai insisté sur le mot dissident, c'est que ça ne s'est pas très bien passé quand Harold Garfinkel a commencé à développer ses nouvelles thèses. Il a été très mal reçu dans la sociologie, voilà, ça s'est pas fait de... Il n'a pas été reçu la fleur au fusil. Je ne regarde pas du tout mes notes, mais ce n'est pas grave. L'ethnométhodologie, ça s'oppose à une doctrine sociologique classique dont le personnage principal, ce serait Parson. Bon, vous n'êtes pas sociologue, vous en foutez certainement. Mais disons que la sociologie classique, c'était des méthodes qui sont tout autres que celles de l'ethnométhodologie. C'est des méthodes quantitatives, statistiques, entre autres. Et c'est aussi des doctrines ou une idéologie, entre guillemets, qui considère que la structure de la société est déjà préexistante. Alors que dans l'ethnométhodologie, on considère que ce sont les acteurs, nous, qui contribuons à élaborer les institutions. Ça marche si je fais ça? Oui, parfait. Ça, on va... Non, ça, on va passer. Et on passe directement à l'analyse de conversation. L'analyse de conversation, ça a été initiée, fondée par Harvey Sachs, qui était un des élèves de Garfinkel qu'on a vu tout à l'heure, qui a fondé l'ethnométhodologie. Ils ont bossé ensemble. C'est apparu en 1967 et ça a pour but d'étudier le discours, mais d'un point de vue formel, c'est-à-dire d'étudier le discours dans l'interaction. Le plus simple, c'est d'opposer cette science-là à des sciences qui étudient le fond, comme les analyses littéraires ou comme la sémantique pour le sens des mots, etc. Et là, je vais quand même, sur les autres points, regarder mes notes pour
vous faire des points un peu plus complets. Alors, je relance le truc, ça a bugué. Tac, 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 cours affiché. Il y a plus. Alors, là, j'en ai mis que 4, mais il y a évidemment pléthore de concepts que j'aurais pu utiliser pour vous parler de l'analyse de conversation. Ces 4-là semblent être les plus, je ne sais pas ce que vous en pensez, être les plus représentatifs quoi, de la discipline. La construction conjointe de l'activité. Je vais vous lire une petite citation qui est très éclairante sur ce qu'on entend par construction conjointe de l'interaction ou de l'activité. La conversation est une activité sociale où la parole est produite en alternance par différents participants. Il s'agit d'une activité conjointe. S'avère par conséquent inadéquat tout modèle qui laisse sous-entendre une mécanique, ça c'est le modèle classique de la communication, où A envoie un message à B, B qui le reçoit, A ayant un rôle actif, B un rôle passif. Je pense que vous êtes intuitivement, on est tous, quand on parle de communication, on a tous ce schéma en tête. Le rôle d'auditeur est loin d'être passif, il n'est pas en attente de l'attribution ou de l'appropriation d'un rôle. Alors, il n'est pas en attente voilà, de l'attribution de l'appropriation d'un rôle actif. L'auditeur adapte constamment son comportement en fonction du message qu'il reçoit, signalant son étonnement, son indignation, son amusement ou sa tristesse en réponse aux attentes du locuteur ou pour les contrer. La conversation consiste donc en une activité qui implique activement tous les participants, chacun agissant en fonction. Donc quand on parle de construction conjointe, c'est vraiment pour mettre l'accent sur le fait qu'il n'y a pas d'un côté un locuteur et de l'autre un auditeur passif. C'est pour montrer qu'il y a vraiment des jeux d'ajustement. Là, tu m'as fait un mini-signe d'acquiescement où tu montrais que tu étais d'accord ou que tu avais compris ce que j'ai dit. On est effectivement dans une situation d'interaction un peu particulière parce que c'est une situation où moi j'ai mis un monologue où les tours de parole, c'est-à-dire la prise de parole, est réglementée par des règles tacites qui ne sont pas celles de la conversation ordinaire. Vous ne pouvez pas prendre la parole, enfin, vous pouvez, mais ça va nécessiter d'autres procédures conversationnelles. Vous ne pouvez pas prendre la parole comme ça, dès qu'il vous passe un truc. Donc voilà, ça c'est des formats, on y reviendra après. L'organisation séquentielle, ça c'est un autre point ultra important de l'analyse de conversation. C'est qu'une conversation, ça se passe en moments, les moments venant les uns après les autres. On peut aussi dire que la conversation, elle produit des actions. Quand je parle d'action, c'est très simple à comprendre. Si je dis salut, l'action, c'est de engager une séquence de salutations, très simplement. Donc, quand il y a une action qui est produite, si je dis bonjour, salut, etc., ça va projeter une autre action en retour. Intuitivement, on le fait très facilement dans la conversation. Cette action, c'est un retour de salutation. Et ça, ça crée des séquences comme ça. On a plein de types de séquences, et c'est ça qu'a mis en lumière l'analyse de conversation. Plein de types de jeux comme ça, séquentiels. Les questions-réponses, une question appelle une réponse. Une évaluation, pour reprendre des choses que j'étudie en ce moment. Si Bernard vient voir votre boulot à l'école et qu'il émet une critique, ça va appeler une justification. C'est ce genre de choses. Un point aussi sur l'organisation séquentielle, c'est qu'en fait, on ne peut déterminer le sens de ce qui est dit, de ce que dit un locuteur, que par la place de ce qu'il a dit dans la séquence. S'il dit salut en premier, c'est lui qui ouvre la séquence, donc c'est une salutation. Si l'interlocuteur dit salut, c'est le même mot. Sémantiquement, ça a la même valeur. Sauf qu'au niveau des actions, c'est un retour de salutation. S'il dit salut en clôture de séquence, c'est pas pour dire bonjour, c'est pour dire au revoir. Et pourtant, c'est le même mot. Voilà, donc c'est pour bien vous faire comprendre de façon très simple en quoi les placements séquentiels sont déterminants dans l'analyse des conversations. Pour reprendre l'exemple des évaluations, si un prof, dans un suivi de projet, qui vient voir votre boulot, etc., produit une évaluation positive, il dit « Ah, c'est bien ce que tu as fait !»
juste après que vous ayez fait un récit de projet, c'est-à-dire un récit de ce que vous êtes en train de faire, c'est une évaluation au sens fort du terme. Si cette évaluation, la même, exactement la même, dit pareil, peut-être pas tout à fait que la même prosodie, est produite, est exprimée à la fin de l'interaction, au moment où tous les membres considèrent que c'est le moment de se dire au revoir, c'est pas une évaluation au sens fort, c'est plutôt pour dire, ça va, c'est une sorte de préface, une introduction à une clôture de conversation. On a tous en tête quelqu'un qui a dit « Oui, c'est bien, continue comme ça. » C'est bien, continue comme ça. D'une, on ne sait pas trop de quoi ça parle, parce que juste avant, il n'y a pas eu de récit de projet ou d'énoncé de projet. L'étudiant n'a pas dit « Oui, donc là, je pense travailler là-dessus et tout machin. » C'est quelque chose qui vient tel quel, comme ça. Ça ressemble à une évaluation positive. Ça a sémantiquement la forme d'une évaluation positive, mais c'est une action de clôture de conversation. Donc voilà, c'est pour bien vous mettre en tête l'importance de l'analyse séquentielle. Il y a autre chose d'extrêmement important dans l'analyse de conversation ou dans son montage théorique, c'est le système des tours de parole. En fait, je ne lis pas du tout le truc là. Le système des tours de parole, il y a deux trucs qu'on peut garder en tête. C'est les paires adjacentes, comme je vous disais, bonjour, tiens, salut, comment tu vas, bien et toi. Première partie de la paire adjacente, c'est le premier tour de parole. Deuxième partie, c'est le deuxième, et les deux vont ensemble. Il y a un jeu de questions-réponses, il y a un jeu où il y a l'action A détermine l'action B, et le tour est joué. L'autre chose extrêmement importante, c'est le point d'allocution des tours. Ça, c'est assez intriguant. C'est que quand on est en train de converser, comment on sait ou comment on prend la parole dans une conversation ordinaire ? Et bien, il y a des indices au cours de la conversation qui nous permettent de prendre la parole. Et c'est ça qu'on appelle un point d'allocution de tour. Le point d'allocution de tour, ça va être par exemple... Si, alors là ça ne marchera pas parce que on est en situation de monologue, mais si imaginons une scène où j'explique quelque chose à Florian et que je ne trouve pas mes mots et donc je commence à galérer, c'est-à-dire en termes techniques, je fais une suite de réparations, des sortes d'échecs dans la conversation, je fais mince, je trouve plus les mots. Ça, on appelle ça une réparation. Là, typiquement, il va y avoir un moment, un point, où il va se sentir en mesure de prendre la parole. Et il va prendre la parole pour une action spécifique, dans cet exemple précis. On appelle ça une hétérocomplétion. Il y a plein de termes techniques comme ça. C'est-à-dire que il va compléter mon énoncé. Mais l'énoncé, il n'a pas été complété par le locuteur qui l'a produit, il va être complété par l'autre, d'où le mot hétéro, c'est l'autre quoi. Les points d'allocution de tour comme ça, typiquement, c'est quand il y a un silence un peu long. En règle générale, dans la conversation, le temps moyen entre deux tours de parole, c'est-à-dire entre A qui dit quelque chose et B qui réplique, c'est soit 0 seconde, soit 0,3 secondes. Grosso modo, hein, on n'est pas à la demi-seconde près. Mais... Et si ça dépasse cette moyenne de 0,3 secondes, il va y avoir une sorte de trouble interactionnel. On va se dire, soit le locuteur trouve plus ses mots, soit il y a une gêne, soit il me ment, soit... Bref, on place tout ça dans cette grande catégorie des troubles. Ça, c'est un point typique d'allocution de tour de parole. Il se sent en mesure de... Ce chiffre, il est pour toutes les cultures ? Il est pas pour toutes les cultures. Il y a d'ailleurs une anecdote très drôle à ce sujet. Il est quasi universel, sauf on a trouvé une culture où il y a quelques secondes entre deux tours de parole. Mais quelques secondes dans nos cultures,
c'est ça veut dire je réfléchis. Ouais, ou ça veut dire tu me fais chier, ou je comprends rien, ou. Enfin voilà. Si je parle et que pendant deux secondes, le mec en face. Je mets deux secondes. Et... Donc en fait, dans cette culture-là, il y avait un anthropologue qui s'est pointé, qui comprenait pas. J'ai oublié le nom de cette culture. Qui comprenait, mais je pourrais la retrouver facilement. C'est une culture du Pacifique. Qui comprenait pas pourquoi son interlocuteur, tu sais, lui posait une question, le gars, il mettait deux secondes, ce qui m'a bien compris. Et donc en fait, comme il y avait un délai long par rapport à cet occidental anthropologue, eh ben, on dit, c'est le terme technique, il s'auto-sélectionnait, il reprenait la parole. Ah, putain. Donc en fait, l'autre, il disait, mais il m'en laisse pas placer une. Hein? Gros problème de compréhension, quoi. C'est le seul cas à ma connaissance. Peut-être t'as eu les cours de l'ICOP qui sont encore assez frais. Mm-hmm. Il y avait un moment où il parlait aussi de le moment gênant, ce qui n'est pas du tout pareil aussi dans nos sociétés, où c'est il me semblait que c'était 3 secondes, et je sais plus, dans d'autres cultures, il me semble en Amérique du Sud, où ça pouvait être jusqu'à 7 secondes, où là, c'est pas du tout gênant en soi. Ah ouais. Alors après... Mais gênant, après, ouais. C'est... Ouais, je sais pas ce qu'il voulait dire, ouais. Mais nous, et on peut, je vais vous montrer une vidéo après une transcription, je sais pas s'il y aura ce genre de phénomène, mais passer 0,3 secondes, 0,5 secondes, tu commences à le... En dessous 0,3 secondes, tu ne le perçois pas. Au-dessus, tu commences à le percevoir et tu te dis, tiens, pourquoi... Alors tu te dis, tiens, pas consciemment, explicitement, en disant mot pour mot, tiens, qu'est-ce qu'il fait? Non, c'est tout ça très intuitif et spontané. Mais c'est quand même, voilà, quand même quelque chose d'assez... Et je voulais aussi... Ça m'a fait penser quand tu disais ça sur les tours de parole... Les moments gênants. Bon, je suis un pute. Ouais. Ah, si, voilà. J'ai plein de séquences où il peut y avoir 7, 10, 15 secondes où il y a un silence. Mais ça, c'est possible dans un seul cas, c'est quand il y a une activité en cours. Ah oui. C'est-à-dire, si là, Bernard et moi, on est dans la cuisine, moi je suis en train de faire la cuisine et tout, on discute, voilà, il vient de me parler d'un truc, c'était pas une question, parce que là, c'est une question appelée une réponse, donc il a fallu que je réagisse, mais il terminait, on va passer aux organisations thématiques, il terminait un thème dans la conversation, moi je me replonge dans la cuisine, et là, il va pas y avoir de trouble, c'est du classique, quoi, parce que, voilà, l'activité est en cours. Quand on marchait, la marche, c'était pourtant une activité qui nous prenait toute la journée. Puis c'est une activité pas au sens fort, ça ne nous demande pas une attention, c'est quelque chose d'automatique, etc. Pourtant, j'ai un enregistrement avec Améliane et Maxime. Des fois, ils parlaient, mais à bâton rompu, tout ça était très engagé, etc. Là, il n'y avait pas de silence et tout. Et parfois, pendant 15, 20, 30, même 2 minutes, plus rien. Oui, mais tu as la réflexion aussi en même temps. Ah non, la réflexion. Non, c'était. Alors, il peut aussi y avoir ça. Ouais, mais pas là. Mais là, c'était pas ça. C'était que l'activité de marche, ce contexte interactionnel permettait ce genre de choses. On passe juste à l'activité. Ouais. Je veux dire, ça vient quand même dans ce contexte quand même. Est-ce que tu sais comment elle a été effectuée? Mais reprends tout ce que tu as. Est-ce que cette personne-là elle a choisi des questions particulières par rapport au silence et au moment de gêne? Ouais. Il y a une étude qui a été faite, mais comment... Alors, il n'y a pas une étude qui a été faite. Ouais, c'est qu'il y a eu des enregistrements de conversations qui ont été faites. Et la première des choses à faire, c'est de relever, comme en anthropologie, d'où l'héritage de l'anthropologie, c'est de relever ce qu'on appelle les invariants, c'est-à-dire ce qui est habituel. En analyse de conversation, on dit ce qui est préférentiel. Mais tout ça est la même chose. Et donc, ce qui est habituel, c'est soit 0 seconde, soit 0,3, grosso modo, une demi-seconde, hein, on va pas chipoter, soit chevauchement, il peut aussi y avoir des chevauchements. C'est-à-dire que l'interlocuteur démarre avant que l'autre n'ait terminé, parce qu'il a déjà compris. D'ailleurs, on comprend toujours avant que l'autre ait terminé, parce qu'en 0,3 secondes, on n'a pas le temps, au niveau cognitif, de produire une réponse. Donc ça veut dire qu'on l'a déjà produite avant que l'autre ait terminé. D'où notre
cerveau majestueux. Bref. Donc cette étude sur les points d'allocution de tour, les tours de parole, etc., ça s'est fait progressivement en fait. Et c'est ça qui est devenu le cœur de la théorie, enfin de la théorie, des résultats et du cadre théorique de l'analyse de conversation. Et ça s'est fait vraiment au fur et à mesure. Je crois que la première, les premières données empiriques, c'était dans les centres d'appel pour prévenir le suicide, hein, je crois que c'est ça. Ouais. Donc en fait au début c'était que des enregistrements audio, après dès que la technique l'a permis c'était des enregistrements audio-vidéo, et là on est passé à une analyse multimodale avec des regards, des gestes, etc. Le regard et les gestes c'est aussi deux moyens, facteurs ultra importants pour se distribuer la parole dans l'interaction, mais ça de façon très rapide. Et ça, ces deux gestes-là, ça s'appelle, ça fait partie de la classe, une classe d'objets linguistiques, la classe des déictiques, qui vient de déixis en grec, qui veut dire montrer, voilà, ou désigner. Donc c'est vraiment avec l'index, quoi. En ethnométhodo, on appelle ça l'indexicalité. D'où index. Ouais, enfin, il n'y en a pas. Au début, ça bride, ouais, l'accès quand même. Une fois que oui. Je suppose que c'est plus pratique, mais au début, là, c'est pas engageant. Ouais, après, comme ça devient des totems, tu sais, ça devient des. Et puis, ça devient des thèmes de recherche, quoi. La DX6, c'est un des. Il y a déjà un bouquin. Alors, ça, c'est un geste iconique. Ça, c'est pas un geste déictique. C'est un geste. Alors. C'est un geste co-verbal, c'est-à-dire qu'il s'exprime en même temps que la parole. Mais il est iconique dans le sens où... Alors, je ne sais pas d'ailleurs s'il est trop iconique celui-là. Il est co-verbal, c'est sûr. Iconique, c'est par exemple, bon, tu vois, il y a une caisse. C'est quelque chose qu'il va représenter. J'avais le ballon entre les mains, etc. Il y a le ciel. Bref. Mais aussi, tu peux faire aussi, il y a le ciel. Et là c'est un déictique. Mais c'est un déictique, là c'est le plafond, tu vois. Donc, alors il y a certains linguistes qui disent, et il y a moult théories sur la déixis, qui disent que c'est une déixis à l'imaginaire. C'est-à-dire que je pointe quelque chose d'imaginaire. Il y a un plaisir intense à venir en cette période. Ah ouais, ouais. C'est beau. Mais dans le langage, il y a aussi. Tout ça c'est du méta, c'est du réflexif pour analyser, mais. Dans le langage, on utilise ça mais constamment, c'est de l'intuitif. Ce qui est impressionnant, c'est le temps que ça prend de le décortiquer pour l'analyser, alors que c'est intuitif, immédiat. Ah bah ouais. C'est une somme, voilà, pour plusieurs couches. Pour le coup, ça dépend de la culture quand même, parce que les Italiens, par exemple... Ouais. Les Italiens, ils ont beaucoup de gestes iconiques, mais eux, c'est conventionnalisé, c'est même institutionnalisé, parce qu'il y a des dictionnaires de gestes. Ah oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des gestes équivalents à ça. Ouais, ouais. Tu vois, c'est des gestes qui ont une signification particulière. Je ne sais plus. Voilà, celui-là. Ils ont tout. Et en plus, c'est là où pour te dire comment ils font partie de la culture, c'est qu'ils ont aussi des noms, ces gestes. Donc à partir du moment où ils sont dénommés, c'est qu'il y a une certaine. C'est des figures, en fait. Oui, c'est exactement des figures. Ils ont une certaine réflexivité, quoi. Nous, celui-là, il n'a pas de nom, quoi. C'est fuck, c'est je t'en prie. Oui, c'est le doigt d'honneur, effectivement. Ouais. On s'est un peu éloigné du sujet. L'autre grande façon d'analyser la conversation, c'est parmi bien d'autres, hein, il n'y a vraiment pas que celle-là, c'est l'organisation thématique. Et l'organisation thématique, ça s'éloigne un petit peu. Enfin, ça prend en compte le fond, le propos de ce qui est dit, donc ce n'est plus une simple analyse formelle. C'est-à-dire, c'est très simple, c'est comment on passe d'une chose à l'autre. Eh bien, il y a deux façons, en tout cas, il y a deux modes d'organisation thématique. Il y a la poursuite thématique, c'est-à-dire que la thématique va évoluer petit à petit, par glissement, et on va se retrouver à parler d'un truc, comme typiquement ce qui vient de se passer. On parle de DX6 alors que je ne comptais pas en parler. On parle d'un truc, on a glissé comme ça. Et quand on fait l'analyse, on se rend compte qu'il y a eu plein de petits mots
énoncé polysémique, qui avait plusieurs sens, qui ont permis voilà, de glisser doucement vers un autre sujet, soit l'autre organisation, mode d'organisation, c'est l'inverse, la rupture thématique. Et la rupture thématique, on en a parlé un peu quand je parlais du récit. Si je dis, ah, au fait, et là je parle d'autre chose, ou si je suis, j'ai des artefacts entre les mains, j'ai des outils qui me permettent de guider le monologue que je suis en train de faire, si j'ai des points comme ça, ça va être autant de ruptures thématiques. Voilà. Et on peut passer maintenant à un petit extrait. Il n'y avait rien d'autre. Ah si, tiens, convention de transcription. Qu'est-ce qu'il y a après ? Il y a plein de petits signes qui nous permettent d'ajouter du sens à ce qui se dit. J'avais envoyé une transcription à Bernard. Oh là, c'est affreux. Quand en fait, quand on fait une transcription, on dit qu'on fait une transcription détaillée, une transcription fine, parce que c'est le seul moyen de savoir ce qui se passe. Si tu fais une transcription à la volée à la journaliste, les temps entre les tours de parole, tu les as pas. Les allongements, si je fais comment je traduis le E, je vais pas mettre H-E-U simplement. Si je fais H-E-U, c'est E. Si je fais E, c'est que j'insiste encore, la réparation n'est pas de la même nature, etc. Donc voilà, il y a tout un ensemble de conventions. Du coup, le E, ça, tu peux nous montrer comment tu l'écrirais, le ouais, E, donc, le E qui perdure de... C'est avec les extensions du son ou de syllabe, c'est avec deux points. Donc il écrit E et il rajoute les deux points plusieurs fois. Voilà. Ah oui, c'est ça qui donne voilà. Le temps en fait. Voilà, c'est pour que pour le lecteur, il sache hein que... C'est ça. C'est exactement. C'est ben, on a, oui, je me souviens des conversations où on parlait, parce qu'il est très calé musique, comment on appelle partition. Et ça veut dire que les deux points, il y a une notion de temps. Il y a une notion de temps, exactement. Alors, on sait que c'est 3 temps de 10 secondes. Si tu fais une étude sur la temporalité, les deux points vont plus te suffire. Ouais. Il va falloir que tu mettes les deux points, ou alors que tu mettes entre guillemets, comme ça là en fait, avec le timing. Ouais. Et donc tu regardes sur ton audiogramme là, tu regardes et tu dis bon bah 0,67 ou machin, etc. Bon. Dans les conversations, dans les transcriptions habituelles, t'as pas besoin. Donc en fait, la transcription, elle s'ajuste en fonction de ce que tu cherches. Ouais. Mais grosso modo, ça, c'est les conventions typiques. Donc une micro-pause, c'est un point entre les parenthèses. 0,3, on le met pas parce que c'est le classique, c'est le préférentiel. 0,5 ou plus, 2, 3, 4, 15 secondes. Ça, c'est. Alors, tiens, fais passer les. Filme en une, parce que sinon je ne sais pas de quoi je parle. En fait, il dit ça parce qu'on a un atelier d'analyse de conversation où ça se passe typiquement comme ça. Alors là, je vous fais une initiation, mais on va voir après comment ça se passe. On balance un extrait avec la transcription et puis on discute de cet extrait. Donc il y a deux méthodes de... Vous voyez, il y a des petits numéros là où j'ai dû numéroter... Moi j'ai numéroté les tours de parole. On peut aussi numéroter les lignes. Vous avez à la ligne... au tour de parole 7, dernière ligne, avec entre le 7 et le 8. Là, il y a un chevauchement. Mais l'autre se tait pendant le chevauchement. Non, il ne se tait pas. Il ne se tait pas. En fait, le entre parenthèses avec un blanc, c'est que c'était inaudible pour moi. Okay. Ah, c'est vrai, il y a des mots, mais tu as pas pu traduire. Alors, comme il y a chevauchement, c'est la parole proche du micro. Voilà, en gros, c'est pour ça que, alors, en vidéo-ethnographie, on commence à être très calé au niveau de la technique. C'est que si tu veux une transcription nickel, il faut poser des micros à tout le monde. Ce qui nécessite, mais un ingénieur du son, machin et tout. Ça se passe jamais comme ça, en fait, toujours avec les moyens du bord, ceci, cela, machin. Donc, des fois, il arrive que on ait des problèmes de ce genre où on ne sait pas ce qui se passe. Voilà. Élision phonétique. Élision, c'est que si je fais tête, peut-être, si j'ai besoin de rendre compte de ce phénomène, je vais mettre P, apostrophe, T, etc. Mais lui, est-ce que tu as déjà vu des changements entre quand tu enregistres
et que les gens sont au courant que tu enregistres. Là, c'est la question. Et quand tu fais... Non, il peut y avoir des regards caméra, un peu, mais les phénomènes ici sont tellement micro, et c'est des phénomènes qui sont tellement intuitifs, spontanés, incorporés, que tu peux pas maîtriser ce genre de choses. Honnêtement, la caméra, tout ça, tu l'oublies. Hein, ouais. Alors au Beaux-Arts, c'est d'autant plus simple que les étudiants et les profs sont quand même assez habitués à manipuler ce genre de choses. Donc c'est un monde social qui est, pour le coup, qui est assez facile. Parce que même quand on était, on a tous, si je vois quelqu'un filme et que je ne suis pas au courant, je vais avoir une petite, mais très rapidement tu l'oublies, etc. Bon, il y a d'autres chances et moins faciles. qu'est-ce qu'on a comme transcription? On peut aussi transcrire les gestes quand on fait des analyses multimodales, mais alors là, ça complexifie énormément les transcriptions, c'est-à-dire que tu fais une ligne où c'est de la voix, et une ligne où c'est de la parole, et à chaque fois qu'il y a un geste co-verbal que tu veux étudier, ou quelque chose, ou une activité, genre prends la feuille, se retourne vers l'écran, etc., regarde ses pieds, machin, etc., tu le mets avec ça. Donc tu le places au moment où il le dit, et à la ligne de dessous, tu mets aussi un petit machin comme ça, et entre parenthèses, tu notes, non pas segment non audible, Italie, voilà. Tu notes entre parenthèses et en italique l'indication gestuelle que tu décris, quoi. Mais là, ça fait des trucs d'une complexité sans nom, quoi. Est-ce que c'est les mêmes codes que pour ceux qui font de la transcription professionnelle, il faudrait savoir de quelle profession qu'on parle. Bah du coup, enfin, c'est que moi j'ai le malheur, parce que pour moi c'est pas évident de travailler. Je travaille beaucoup dans des salles avec les transcripteurs d'émissions audiovisuelles. Mmh. C'est des gens qui écoutent toute la journée en fait les rushs, et qui ils tapent toute la journée tous les textes en fait, et ils retranscrivent en fait tous les trucs pour que les mecs derrière puissent travailler de chez eux sans avoir les visuels. Ils travaillent à partir des conversations. Bah, je pense pas qu'ils aient besoin de ces indications là. Je me demande, parce qu'en fait je me dis que tu vois, ça peut, enfin je pense qu'ils doivent dire par exemple quand ils parlent ensemble, quand ils ont un sonore plus bas, plus haut, pour l'automontage, ça l'intéresse. Ça j'ai aucune idée de comment ils font. J'ai aucune idée de... Dans les autres champs professionnels et tout. Et alors, attends, pour rajouter de la complexité là où on aimerait qu'il n'y en ait pas, ça, ce sont des conventions de transcription que nous utilisons. Mais dans le champ des conversationnalistes, européens, américains, dans les différentes... C'est pas harmonisé. C'est grosso modo comme ça quand même que ça... Ça, c'est vraiment les trucs de base en plus. Voilà, c'est les trucs de base. Ah oui. 200 signes qui peuvent être utiles. Ouais. Il y a des logiciels qui sont destinés à ça. Il y a un logiciel qui s'appelle Elan, avec la ligne de temps, etc., machin, qui... après, tu peux faire des relevés indexicaux, c'est-à-dire... si tu veux savoir combien de fois tel mot, t'as de volume de mots, quoi. Tel mot a été dit, etc. Et pour le coup, le logiciel, tu passes la bande-son et... Non, tu es obligé de le faire. Tu fais la bande-son. Dans une quinzaine d'années, quand Google aura développé son truc, ça marchera certainement, mais il faudrait qu'il le développe en prenant en compte des conventions qui nous intéressent, nous. Mais c'est déjà pas mal, hein, il y a de gros progrès de fait sur les transcriptions automatiques. Mais... bon, on peut peut-être passer à la vidéo, ce qui est le plus funky. Et où est la vidéo? Putain, j'ai pas mis. Ah si, elle est là. Ah, il a pas VLC. C'est bon, c'est pas grave. Redéfinir assez rapidement. Voilà. Alors, quand on est en atelier d'analyse de conversation au labo, enfin dans notre avec notre directeur, etc., on anonymise pas, peu importe, parce que là, d'avoir flouté, tu perds en indice, tu perds surtout en tu sais pas où ils regardent, et ça c'est très problématique. Donc quand on travaille, on travaille sur les données brutes, données primaires. Quand on est en restitution, en exposé, etc., pour garantir l'anonymat de tout le monde,
on fait ce genre de choses. Il y a plusieurs manières de faire. Soit on floute comme ça, parce que l'anonymat, c'est quelque chose d'assez relatif. Si j'avais fait la même vidéo avec l'un d'entre vous ici et Bernard là, j'aurais beau flouter les visages, c'était cuit. C'est pour ça... C'est pour ça que j'ai utilisé une vidéo qui vient d'une autre école. Là, tu vois, par exemple, Florian a tout de suite reconnu l'un de ses profs. Moi, je reconnais le plafond de Poitiers. Voilà. Je sais pas ce que t'as dit, c'est une explication. Et pour la petite idée, la petite histoire, si vous avez besoin de faire de flouter des visages, moi, je l'ai fait avec YouTube, ça le fait automatiquement. En fait, j'ai exporté la vidéo sur YouTube, je l'ai mise en privé pour que personne puisse la voir. Il y a une option dans montage, je sais pas quoi, studio, machin, floutage automatique des visages. Il te met tous les visages qu'il a trouvés, tu cliques sur ceux que tu veux flouter et il te les floute. Et après, tu re-télécharges la vidéo, tu la supprimes de YouTube. Moi, et voilà. J'appelais ça du floutage de gueule. Et donc, vous allez me dire si c'est assez fort, ça c'est une situation de suivi de projet classique où il y a un boulot qui est engagé. Là c'était un workshop qui se passait sur 2 jours, donc quelque chose d'assez court. Elle travaille là-dessus, vous voyez tous là, c'est des petits livres. Voilà, là c'est de la matière noire, je sais plus comment elle a fait ça, farine, je sais plus, et acrylique, un truc comme ça, colle et acrylique, et elle a englué ça à la brouteur, c'est un peu machin. Et ça c'est un vieil extrait que j'ai ressorti de mes archives avec une transcription, avec la transcription qui va avec, où à l'époque je cherchais. Je me posais la question dans les récits de projet de savoir ce que c'était que tous ces moments où elle parlait et qui étaient abstraits, c'est-à-dire qui étaient non référentiels, c'est-à-dire, autrement dit, où elle parlait de choses qui n'étaient pas des choses matérielles et qui n'étaient pas non plus son projet. Quand elle dit j'étais parti sur une idée un peu plus narrative. C'est relativement abstrait. De quoi elle parle? Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que c'est ça qu'on appelle du discours théorique? Est-ce que c'est ça qu'on appelle du discours général? Etc, etc. Donc voilà, moi je m'intéressais à ce qu'on appelle en linguistique les niveaux de généricité. C'est un peu le flou du flou, quoi. C'est un peu ça, c'est-à-dire que la généricité, c'est, on peut le remplacer par la généralité, simplement, quoi. Et on va parler en général, mais quand on parle en général, à quoi ça sert, etc. Donc, on va regarder l'extrait et on pourra après en discuter. Redéfinir assez rapidement de quoi t'es parti, comment tu développes, les pistes. J'étais partie donc sur une idée un peu plus narrative avec beaucoup d'éléments. Et du coup, l'idée qui a été retenue, c'est des débordements de la matière d'un objet. Et du coup, l'objet que j'avais choisi, c'était les livres. À la fois, parce que du coup, du coup, j'ai un rapport à l'écriture, c'est des objets qui me parlent et c'est des objets que je trouve intéressants au niveau de la forme. Et que je trouve que c'est très symbolique aussi de les faire déborder de quelque chose et que ça peut appeler à. Ça peut appeler à plein de sens et plein de relations. Après, il y avait aussi l'idée notamment de travailler avec les livres en tant qu'objet, seulement en tant que forme et pas seulement en tant qu'objet symbolique. Je travaille de travaux différents. Quelle différence tu fais entre objet? C'est assez fort pour tout le monde. Ouais, ouais. Et objet symbolique. Bah, t'as l'air de faire cette différence. Bah, justement, c'est que déjà, il a fallu que j'ai de la distance pour arriver à travailler avec les livres, parce que les livres, c'est quelque chose qui est pas sacré, mais presque. Oui, c'est la différence avec une licence, c'est ta relation. Voilà, même les enfants en général, ils sont bien grondés quand ils touchent à des livres. Du coup, là, mettre de la peinture par-dessus, c'est pas forcément évident quand on a grandi à ça. Donc, il y a.
il y a prendre l'objet en tant que tel, en fait, et pas en tant que, justement, tout ce qui... avec tout ce qui est chargé, en fait. Ça, mais en même temps, on ne peut pas ne pas, par exemple, voilà, là, voir les titres, voir les illustrations, que ce sont des livres de poche. T'as pas, oui. Dire, c'est pas des livres de la Pléiade, hein, ok, pour être un peu provocateur. Tu vois, donc c'est, ce sont des livres bon marché, des livres de poche. Donc, est-ce que maintenant, aujourd'hui, ton choix s'oriente vers n'importe quel type de livre ou vers certains types de livres? Non. J'aurais bien, mais peut-être plus travailler avec... avec voilà, on travaille comme ça. Alors moi, si j'enregistre ce genre de choses, c'est que ça fait partie, je vais dire si t'es d'accord, je pense quand même, ça fait partie des situations typiques, préférentielles, des outils pédagogiques privilégié dans les écoles d'art. C'est-à-dire que dans les écoles d'art, l'enseignement passe aussi par des interactions interpersonnelles comme ça, individuelles. Et il y a très peu d'écoles où c'est comme ça. Dans beaucoup d'écoles, c'est un prof pour plusieurs étudiants. La spécificité des beaux-arts, on peut difficilement faire autrement, parce que c'est par projet, etc. Voilà, ça, c'est pour ça que j'étudie cette situation. Et c'est pas facile à faire comprendre aux élus. Non, ah ouais, bah ça j'imagine, bah, si ma thèse peut... aux élus qui donnent de l'argent. Parce qu'une école d'art... Pour eux, ils ont la référence du prof d'amphi, où il y a 350 personnes, et eux ils se disent, le salaire de machin divisé par 350 égale tant. Au Beaux-Arts, le salaire de machin divisé par une personne, le ratio n'est pas le même. Et je crois que c'est le direct, mais je dis direct, je connais plus les chiffres, mais le... Le budget par étudiant aux Beaux-Arts, c'est le plus élevé de toutes les écoles. C'est sûr, c'est pas tant ça, c'est que 90%, 95% du budget, c'est la masse salariale. Donc les profs et l'administration et tout. À Angers, il y a quoi, 40 Oui, une quarantaine de profs. Ouais. De profs pour 350 étudiants. 250. Là, c'est pas... est-ce qu'il y a avant que je re-guide le truc, est-ce qu'il y a un phénomène dans cette situation qui vous... Je remarque juste la position du prof qui est assis sur une chaise et les bras du sol. Un phénomène, c'est-à-dire dans la conversation ou dans le... Non, quelque chose là, dans cet extra vidéo, qui vous dit... Ah, la gestuelle, c'est... J'ai failli te dire qu'on pourrait la regarder sans les mots. Ah ouais. C'est incroyable. Hein, le... Mais est-ce qu'on est... Après, la journée. Ah, il y a beaucoup de... Mais c'est quasiment tout le temps, ça. Et c'est un cas de conversation qui est quand même hyper particulier, parce qu'en fait, là, finalement, cette conversation, c'est plus une oralisation d'une pensée que la... que l'étudiante est là, en fait. Et du coup, le prof est plus là pour l'aider à extraire ça de sa tête. Mais du coup, c'est quand même hyper particulier comme situation. Tu vois, quand souvent on parle du discours dans le champ de l'art, la première chose qui vient en tête, c'est une sorte de récit qui vient comme un après, comme un vernis, après coup, a posteriori, relater ce qu'est l'œuvre d'art. Et moi, en étudiant ce genre de choses, je veux vraiment mettre l'accent sur la dimension opératoire du langage. C'est-à-dire que le langage, là, il sert à quelque chose. Il y vient en même temps que le processus de création. Et quand on parlait tout à l'heure que la conversation, c'est une activité co-construite, qu'elle est une construction conjointe, c'est très clair, là. Le récit, elle a pas quelque chose en tête et elle le dit... Un peu de ça, elle a des grandes lignes, etc. Elle sait un peu où elle va, surtout qu'elle s'exprime assez bien, voilà, c'est assez clair. Donc il y a quand même quelque chose qui est antécédent à cette situation-là, relatif à la mémoire. Mais après, il y a tout un jeu de questions, de remarques, etc., qui font évoluer son récit et qui, elle, après, va prendre des orientations, ça va enrichir son récit. C'est vraiment un récit interactionnel, pour le coup. Qu'il y avait autant de gestuels juste en disant des trucs comme ça. Est-ce qu'avec le temps, on réussit justement à sentir un peu les situations en lisant juste le...
Bah, on peut deviner, c'est quand même toujours assez compliqué, on sait toujours, quand on a un peu l'habitude, qu'il va y avoir plein de gestes, parce que les gestes co-verbaux, c'est un inévitable de la communication. C'est d'ailleurs tellement inévitable que si on contraint quelqu'un, il y a de fortes chances qu'il y ait plus de réparation dans ce qu'il dit, c'est-à-dire qu'il va avoir plus de mal à s'exprimer. Donc en fait, les gestes co-verbaux, quand je fais ça par exemple, participent de l'expression. Justement, est-ce que tu sens, toi, en étudiant tout ça, justement, un impact et une influence sur ta manière, du coup, de... Non, c'est comme ce qu'on disait sur... Toi, tu as un poste d'observation, en fait. Ouais, mais c'est surtout, si ça joue après sur moi, ouais, la façon de... Ayant connaissance de tout ça, ouais. Si ça... Non, t'as pas le temps d'analyser tout ça. Il est passé par là aussi, lui, pour qu'il sait pertinemment ce qui se joue là. Et maintenant, il est dans la position. Mais t'as beau connaître, t'as beau savoir que un silence un peu long, ça va être perçu comme un trouble. Quand t'es pris dans l'interaction, dans la conversation, c'est mort. Tu peux pas être au four et au moulin. Soit tu parles, soit tu es en retrait et t'analyses. Et c'est l'objet analytique, c'est la transcription. Tu peux pas faire. Alors, tu peux pas faire. On transcrit pas toutes les données. Moi, j'ai je sais pas combien d'heures, Bernard. Ouais, parce que je lisais, en fait, au tout début, je lisais le. Enfin, je ne regardais pas l'écran, mais je ne faisais que lire. Et après, je sais pas, il m'a semblé qu'il y avait moins de choses dans l'écrit que dans le... Ah oui, toujours. Hein, oui, toujours. Et c'est pour ça que c'est toujours un... Ça, on appelle ça des données secondaires. Ça, on appelle ça des données primaires. Quand on est sur l'étude d'un phénomène, ça nous permet de faire sortir les choses. Ouais. Mais quand on émet une hypothèse de travail, il faut absolument aller la tester, ouais, et la vérifier sur la vidéo. Parce qu'on peut se dire... Oui, alors là, entre cette ligne-là et cette ligne-là, il n'y a pas de DX6, il n'y a pas de geste ou de regard et tout. En tout cas, verbalement, il n'y a rien. Comment s'est passée la parole entre ces deux tours-là? Tu dis, tiens, c'est énigmatique, il y a quelque chose de bizarre dans la transcription. Tu regardes la vidéo, tu te rends compte que le gars, il a regardé son interlocuteur. Donc, il n'y a aucun problème, tu vois, il n'y a rien à dire, quoi. C'est de l'habituel. Des ogivets. Ouais. Salut tout le monde. Salut. Sinon, pour nous, sur ce que disait Momo tout à l'heure, est-ce que ça avait un impact sur toi, ta manière de... Sur ce qu'on voit derrière. On ne se connaissait pas avant, mais je trouve que comment tu t'exprimes, on sent qu'il y a... C'est extrêmement carré, c'est très précis, et les rythmes que tu donnes... Il a toujours été comme ça. Ah ouais, parce que c'est là, non mais t'as des rythmes qui sont hyper précis entre... Bah ça, c'est peut-être plus... Mais tu vois, c'est encore... Là, pour le coup, c'est pas un héritage de la théorie, c'est pas un héritage de l'analyse, c'est pas un héritage de la réflexivité que je pourrais avoir sur toutes ces connaissances que j'ai et tout. C'est, et je pense qu'il serait encore meilleur que moi dans ce domaine, parce qu'il a eu une meilleure formation que moi, c'est par la pratique que ça vient. C'est-à-dire que plus tu es habitué à faire des exposés, etc., plus tu maîtrises ce format-là, et c'était machin, machin. Je dis ça parce qu'il a eu une formation où des exposés, il en a fait à l'appel, et donc c'est particulièrement bien maîtrisé la situation. Mais après, comme je vous disais, on ne transcrit pas tout parce que ça prend un temps monstrueux. C'est quoi, c'est à peu près une heure les 10 minutes, quoi, un truc comme ça. Pour un truc comme ça, à la volée, hein, enfin à la volée avec un minimum de... Quand tu veux suivre un truc très fin, c'est... Quand il y a des chevauchements, n'en parlons pas. Enfin, ouais. C'est sur qui moi je travaille, ils font une heure une journée. Une heure de transcription? Ouais, ils mettent une journée. Ah ouais, d'accord, putain. Une journée de 12 heures ou de 4 heures? Non, une journée de travail, ils travaillent en équipe, en fait ils font 2 heures, il y a une équipe le matin. Ah bah ils doivent avoir plein de choses à mettre alors dans leur transcription. Bah c'est-à-dire que eux c'est des journalistes, donc t'as question et t'as plusieurs personnes qui répondent. Bah, je veux pas, c'est pour les émissions de merde, hein, c'est souvent pour les enquêtes aussi, machin, enfin tu vois, je sais pas. Mais une journée, ça veut dire qu'ils mettent beaucoup, enfin disons 8 heures quoi, ça ferait 8 fois moins rapide. Mais en fait c'est pour le montage, donc je pense que déjà ils spatialisent.
tu vois, ouais, voilà, ils mettent plein d'autres indications, etc. Ils font les indications caméra. Donc j'ai contre-plongé, éclairage, nanana. Parce que sinon, ou alors, comme ils sont payés aujourd'hui. Non, 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 je suis pas prêt. Je veux dire, c'est l'enfer. Je sais pas comment ça se passe. C'est l'enfer là-dedans, c'est vraiment l'enfer là. C'est vrai qu'ils sont payés comme ça, ils ont et donc en fait, pour revenir à ce que je disais, comme on ne transcrit pas tout, la première façon de faire, c'est de regarder les vidéos et se dire « Ah tiens, là, il y a peut-être quelque chose. » Mais c'est compliqué, tu vois. Moi, quand je travaillais sur les niveaux de généricité, je veux te dire qu'en live, repérer une expression qui est non référentielle, faut déjà être un peu chaud. Hein. Donc en fait, tu tombes dessus un peu par hasard. Genre, bon. Après, quand tu as analysé un peu le truc, tu sais les repérer. Mais donc, tu repères un peu les phénomènes, tu sais un peu où les trouver, machin. Comme tu as participé à ces situations, tu as le souvenir, tu te dis « Ah, peut-être que là, dans telle journée, avec tel prof, à tel moment, il s'est passé ça, peut-être que je pourrais trouver ça là-dedans. » Et voilà, tu vas à la pêche au phénomène. Et est-ce que tu fais une analyse de la vidéo et le son ensemble? Et après, est-ce que tu regardes la vidéo sans le son? Et après, justement, juste le son. Non, je regarde jamais. Enfin, ça m'est jamais arrivé. Toi, ça t'est arrivé de faire sans son? Non. Pas de regarder. Ah, si, ceci dit, tu peux faire juste avec le son pour l'aspect verbal. Ouais, ouais. Oui, sans avoir la caméra. Ouais. Enfin, le lien. Et après, tu. Ouais. T'as juste pour la multimodalité. Mais... Ouais. Mais des fois, t'as que le son. Moi, j'ai plein d'enregistrements. Par exemple, j'avais plus de. Très bêtement, hein, j'avais plus de batterie sur la GoPro. Le H4, lui, il peut tourner toute la journée facilement. Je mettais un micro-cravate sur moi, le H4 était dans mon sac, et donc j'avais toute la journée, mais en vidéo, j'avais que 2 heures. Donc, mais là, on peut peut-être regarder un truc, ce sur quoi je m'étais penché, c'est que, on n'a peut-être pas besoin de revoir la vidéo, mais on voit le format habituel des situations de suivi de projet, où il y a un premier tour de parole, de l'étudiante, après avoir été, ça dépend comment ça se... Mais si on fait démarrer la séquence à ce niveau-là, il y a un premier tour de parole de l'étudiant ou de l'étudiante qui est assez long, où elle expose ses projets, ses intentions, ce qu'elle a fait, etc. Et après, il va y avoir une succession d'actions conversationnelles, des remarques, des questions, une critique, voilà, plein de choses. Et moi, la question que je m'étais posée, c'est ce récit de projet-là, il me paraît de prime abord très théorique, très perché, général. Elle n'est pas en train de dire « Donc, j'ai fait une install avec cet objet-là qui viendrait sur celui-là. » Elle n'est pas en train de décrire des formes, des objets, les uns par rapport aux autres, etc. C'est pas ça, le récit qu'elle fait. Bon, alors, qu'est-ce qu'elle fait ? Pas facile. J'ai commencé par faire une analyse linguistique standard, c'est-à-dire j'ai caractérisé ce qu'il me semblait pouvoir apporter de l'eau à mon moulin en disant c'est théorique. Alors qu'est-ce qui est théorique là-dedans? Quand elle dit j'étais parti sur une idée un peu plus narrative, bon bah ça c'est du générique, ça ne vise pas quelque chose, c'est pas un nom qui vient comme une étiquette sur quelque chose du monde, du champ environnant, de la perception. C'est abstrait, on va dire. Bon. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme chose abstraite? Alors, il y a plein de choses abstraites, etc. Donc, j'ai surligné, machin. J'ai été voir les théories sémantiques, les classifications des noms, parce que je me suis arrêté à l'analyse des noms. Il y a les noms qui sont des noms concrets. Une table, une bouteille, un verre, une chaise, tout ça c'est des noms concrets qui désignent des objets du monde. Et il y a des noms abstraits. La liberté, une idée, narrative, alors narrative c'est pas un nom, mais bref. Élément, alors élément c'est encore plus particulier, c'est un nom abstrait, et en plus c'est un nom dont la valeur sémantique est on ne peut plus large. Il y a quelques mots comme ça dans la langue française. Le must du must, c'est chose, ouais. Truc. Il y a des mots comme ça qui sont à référentiel et surtout presque asémantiques. La valeur de ce mot-là
ne peut se comprendre d'une que dans le contexte. Si je dis tiens, le truc là, c'est le déictique qui va fournir l'indication. Mais si je dis truc, tu vas pas savoir de quoi je parle. Donc voilà, il y avait plusieurs indices linguistiques comme ça qui me permettaient de caractériser ce qu'était ce type de discours. Et ce type de discours, je voulais ce type de récit, je voulais l'opposer à un autre type de récit qui était un récit très concret où l'étudiant ou le prof parle des choses qui sont là. Donc j'ai pris des livres, je les ai mis dans le... Mais quand on fait ce type de récit, j'ai pris des choses, j'ai pris des livres, je les ai mis dans le... Bon, bah, t'es sympa, mais je vois. Le problème de ce type de discours, c'est qu'il n'apporte pas une valeur supplémentaire à la chose. C'est pour ça qu'on me demande souvent, on voit détailler, regarder voilà. ce qu'il y a dehors. Mais alors, ce qu'il y a de plus intéressant, c'est que je me suis dit, quelle est l'attitude privilégiée, l'attitude préférentielle d'un prof face à des discours qui, on va dire, sont génériques ou théoriques. Et bien l'attitude la plus probable, c'est que le prof prenne le contre-pied et ramène le discours à des choses qui sont de l'ordre du champ perceptif environnement. C'est-à-dire des choses concrètes et matérielles. Et c'est typiquement ce qui se passe ici. C'est des folios, c'est... Elle a dit, alors là il pose une première question en 4, quelle différence tu fais entre objet et objet symbolique? Elle répond parfaitement, donc là on peut se demander si la question c'est véritablement, à mon avis c'est double, il y avait un double enjeu là, c'était d'une pour avoir véritablement savoir quelle différence elle faisait, et deux ça permettait aussi au prof de jauger un peu la capacité réflexive de l'étudiante à maîtriser les concepts qu'elle utilisait, et pas se retrouver avec une étudiante qui a chopé trois concepts comme ça, qui les réutilise tels quels, mais pas à bon escient. Ça avait cette double valeur, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est quand même dans un contexte pédagogique. Je vais retrouver le moment où ça switch. Prof, toi t'es plutôt machin. Voilà, c'est en 14. Mais en même temps, on ne peut pas, et là il dit, les deux derniers mots, trois derniers mots, par exemple là, la caractéristique d'un discours théorique, c'est qu'il n'est pas situé dans le temps et dans l'espace. Il est aréférentiel. Le par exemple là, le par exemple, ça veut dire qu'on va s'attacher à quelque chose de précis, donc quelque chose de référentiel, et le là, c'est ici et maintenant. C'est-à-dire, il n'y a pas exemple plus clair que celui-ci. Là, le switch, il est très net, c'est en 14 et c'est tout à la fin. Et après, on se dit donc, ok, on fait une distinction, théorie plastique ou généralité ou discours abstrait, discours où on en revient à des choses plastiques. Ok, problème, si on regarde ce que le prof dit, il dit, là, tu vois, on ne peut pas ne pas voir, en 16, je suis, les titres, les illustrations. Bon, alors là, on se dit, ok, il est en train quand même de relever les formes de l'objet, l'objet qu'il a sous les yeux. C'est quelque chose de perceptif. Donc, ça correspond à un retour au plastique. Mais après, ça se complexifie un peu. Il dit, ce sont des livres de poche. Mais des livres de poche, ça, c'est un livre. C'est un livre de poche, mais un livre de poche, c'est déjà une catégorisation. Mais c'est une catégorisation qui ne dépend pas que des données perceptuelles. Et là, on aborde toutes les questions de catégorisation. C'est-à-dire que si on dit le prof, face à un discours théorique, il en revient en plastique, alors il aurait dû dire oui, mais là, tu as du papier qui est organisé en pavé plus ou moins étroit, plus ou moins fin, etc. Non, c'est un livre. Donc il a utilisé une catégorisation qu'on appelle prototypique, la catégorisation intuitive, catégorisation qui est la plus évidente. Mais est-ce que cette catégorisation, c'est déjà, est-ce que ce n'est que, pardon, du plastique? Est-ce que ce n'est que les formes qu'on pourrait dire, quand on dit qu'on en revient à l'aspect plastique des choses, est-ce qu'on peut dire que ces catégories sont des formes plastiques? Non, parce que les formes plastiques, c'est un carré, un cercle, agencé, plus haut, plus bas, face à lui, au-dessus, en dessous. Ce serait ça, le degré zéro du plastique. Mais on se rend bien compte que l'intervention du prof, c'est pas ça qu'il fait.
Alors, il tend vers, il montre la direction, il dit à l'étudiante, c'est très bien, tout est montage théorique, mais il faudrait quand même regarder ce qu'on a sous les yeux. C'est pas n'importe quel livre, ça, il le dit très bien. Mmh. Mais quand il dit, ce sont des livres de poche, c'est pas des livres de la Pléiade, etc., là, il y a mieux. Dernière ligne, 23, dernier tour de parole. Donc, ce sont des livres bon marché. Un livre bon marché, ça se voit pas. Enfin, c'est un jugement. C'est pas, il est ni blanc, ni rouge, ni vert, il est ni gros, il est ni petit, il est bon marché. C'est quand même déjà une drôle de catégorisation. Et là, on se rend compte que c'est beaucoup plus complexe qu'une simple dichotomie générale, théorique, générique, ce que tu veux, et plastique. Dans le retour au plastique, on n'est pas le retour au plastique degré zéro, on est dans une sorte d'entre-deux, comme ça, qui est déjà une catégorisation sémantique des choses. Voilà, et après, j'ai essayé de mettre ça au clair, etc. etc., etc. Voilà, voilà à quoi peut servir une analyse de conversation. Si vous avez des questions ou d'autres phénomènes qui vous intéressent sur la catégorisation. Bah, c'est ce que je disais, le switch que je faisais, moi, c'était que... parce qu'en fait, là, il y a eu un double mouvement qui a été opéré. C'est que l'anthropologie du proche, souvent, ça fait référence à une anthropologie qui s'opère dans la même culture que la culture auquel on appartient. Bon. Moi, c'est clairement le cas d'une, parce qu'on est en France, on est en Occident, on peut descendre comme ça, par tous les étages. On est en France, on est dans une catégorie socio-professionnelle, ou sociale, disons, un monde social que j'y... voilà. Et j'ai aussi, et ça c'est une notion de sociologie, d'anthropologie je crois même, la compétence de membre. C'est-à-dire que j'ai moi-même été étudiant en Beaux-Arts, etc. Et si c'est de l'anthropologie du proche, on peut l'appeler comme ça, parce que l'objet... correspond à ce type de recherche. Là où ça s'en éloigne fortement, c'est que, et ça c'est typique des recherches propres à l'institution où on est, à l'EHESS, et à l'analyse de conversation en particulier, enfin moi je ne fais pas que d'analyse de conversation, mais c'est que c'est largement transdisciplinaire. Moi j'utilise autant de linguistique, de sociaux, d'anthropo, de philo, de ce que tu veux. Donc, la première chose que je vais dire au L2 d'anthropo, c'est je ne suis pas anthropologue, je vais le rabâcher, parce que c'est le cas. Et le deuxième mouvement, c'est que de l'anthropologie du proche, on est passé à l'anthropologie du micro, parce que les phénomènes qu'on va étudier sont vraiment ultra petits. Étudier le passage de parole entre deux interlocuteurs, ou les niveaux de généricité, c'est quand même des phénomènes qui sont relativement restreints. C'est pas mettre au jour, pour prendre un classique de l'anthropologie, un système de parenté dans une communauté quelconque. Alors, on n'est pas sur les mêmes échelles d'analyse. Mais paradoxalement, même si c'est du petit, le domaine dans lequel je m'inscris, c'est le langage, et le langage, c'est loin d'être petit. C'est quelque chose, c'est comme l'air ambiant, c'est quelque chose qui s'insinue et qui s'instille partout et qui en plus a la faculté d'être structurant pour les activités en cours sociologiques. Et c'est en ça que l'analyse de conversation a un rapport avec l'ethnométhodologie. C'est qu'on n'analyse pas la conversation pour ce qui se dit, mais parce qu'elle structure l'activité. Voilà. L'activité là qu'on est en train de faire ici maintenant, elle est structurée par la forme même de l'interaction conversationnelle qu'on a, monologale principalement. Avec tout ce que ça suppose, parce que vous êtes habitué à ce genre de format, vous savez qu'on ne prend pas la parole comme ci, comme ça, que si vous voulez prendre la parole, il faut capter mon attention, si on est dans les petites classes, il faut même lever la main, enfin, il y a des conventions, etc. Mais c'est une anthropologie du proche un peu exotique, pour faire un jeu de mots. Bon appétit. On va fumer une clope.
Merci à vous de m'avoir permis de me chauffer.